Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur mon Discord pour parler d'un bot pour Archiro directement sur mon Discord, hein, qu'un fidèle abonné a créé, Lucaran, bravo à toi, très très fort frérot, merci beaucoup pour le taf que t'as fait, parce que franchement, ça répond à toutes les questions, ce bot a la réponse à toutes les questions les amis, donc mon Discord déjà, il est dans la description de la vidéo, tu cliques sur description, tu l'ouvres, c'est le truc où tu vas jamais, hein, tu connais, hein, voilà, tu connais pas du coup, et donc du coup tu cliques dessus, il y a mon Discord, il y a plein de liens, hein, voilà, il y a mon Discord, tu cliques dessus, t'arrives ici, on est 2000, vous avez vu, hein, 2713 dessus, et ça s'active, quand même ça s'active, hein. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions et beaucoup de gens qui y répondent, et merci à tous les LPR et merci à tous ceux qui sont sur mon Discord et tout se fait dans la bienveillance, c'est cool, merci à tous. Ce bot est fait pour simplifier la vie à tout le monde, à celui qui répond aux questions, à celui qui pose des questions, etc. Alors ici, par exemple, tu peux trouver quoi? Tu peux trouver de l'aide pour les quick raids, de l'aide pour les conseils de débutants, tu peux trouver de l'aide pour les œufs, de l'aide pour les skins, la rentabilité des skins. Quel skin à acheter en priorité, à prioriser, comment marche, du coup, le skin PVP de Shade, etc. Ça renvoie vers, du coup, pas mal d'infos, aussi des vidéos YouTube que j'ai faites, etc. C'est vraiment très bien fait, on va voir ça ensemble, les amis. Donc, regardez, vous avez vu, hein, il n'y a pas d'intro. Hein. Donc, du coup, quand on fait la commande, donc ici, on arrive là-dessus. On arrive là, vous avez vu que ça parle, voilà. Bonjour, je suis nouveau, voilà. T'as des questions, tu les poses, on va sûrement maintenant te renvoyer. Alors, généralement, on vous renvoyait vers le wiki, vers Archive plutôt, vers Archive, où il y avait beaucoup, mais beaucoup d'infos, et tu pouvais te perdre, effectivement, tu pouvais te perdre. Donc maintenant, on a un bot, hein, qui s'occupe de ça, hein, qui s'occupe de toi, qui te chouchoute, qui te fait des petits guides dans le dos, tu sais, des petites papouilles dans le dos, c'est du bien ça, ah bah tu kiffes, voilà. Et donc du coup, par exemple, hein, donc du coup, la commande à faire, c'est très simple, tu vas dans l'onglet wiki, hein, tu vas pas marquer ici, ou ici, ou ici, ou dans un autre jeu encore, rien à voir, hein, tu viens tout simplement dans wiki Archiro, tu vois, t'arrives ici, Archiro, voilà, tu vas dans wiki, hein, mais pas faire ça n'importe où. Donc ici, tu fais tout simplement la commande, pas conseil débutant, on va recommencer, tu fais la commande ici, help, tu fais ça ici, et tu fais ça. Et là, il t'envoie là-dessus, tu vois, t'as tout ici, tu as tous les, pour le moment, ça va bien entendu évoluer au fur et à mesure du temps, tu as toutes les commandes du bot qui, tu vois, il peut répondre à tout, il peut répondre à tout. Il peut répondre à tout, à tout. Et du coup, par exemple, je vous avais fait un petit... une petite démo ici. Donc là, tu veux parler des quick raids. Tu sais pas où aller débloquer tes quick raids. Qu'est-ce que ça rapporte? Donc, bougez pas, hop, voilà. Mais bah, c'est ma batterie. Qu'est-ce que ça rapporte, etc. Eh bien, écoutez, le bot a la réponse. Regardez, ici, tu as la commande quick raid qui se trouve juste ici. Alors, tu as deux façons de le faire. La première, c'est si quand tu fais help, ça apparaît pas ça. Et ben moi, et en plus, si ça apparaît malheureusement, tu vois, copier-coller ça, tu vois, c'est une image. Moi qui suis feignant, moi je fais help, j'ai shit, hein, le Google shit, tu fais ça, et t'arrives directement à la page qui se trouve ici, bam, voilà, t'as tout, et tu peux faire copier-coller ici. Et ouais, mon gars, et ouais, donc du coup, si tu as les QR, tu as toutes les tier lists, les stuff PVE, les stuff PVP, les joyaux, comment ça marche, la fusion, mais aussi pour le Endless, les formulaires pour le Endless, hein, vous savez que très bien, on se tire la bourre en Endless sur mon Discord, donc du coup, chaque mois, à chaque fin de Endless, il y a un petit récap, il y a un petit tableau, hein, où on dit qui a gagné, etc., par rapport au Endless, hein, on voit les max, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça marche, regardez ici. Tu veux faire des quick raids, donc tu utilises la commande, un point d'interrogation QR, du coup, en majuscule. Donc tu fais QR, tu fais ça, et là, t'as ça qui apparaît, t'as plein d'infos là-dessus, t'as un G-Sheet qui apparaît, et là t'as ça. Là tu vois en gros comment ça marche, bah tu mets ton mode, hein, que tu veux, normal ou héroïque, tu mets le chapitre que tu veux, je sais pas, une bêtise, hein, le 20, allez, tiens, et tu vois ce qu'il rapporte. Plus rapide, on a déjà parlé de ce tableau-là, regardez, bam, ici, en bas t'as des onglets, tu vois tout en un clin d'œil, directement. Voilà, donc tu sais que dans le chapitre 12, bah tu peux looter ici, dans le 12 tu peux looter des bouquins, tu peux looter par exemple, hein, des bagues en quick raid, on est vraiment dans le tableau quick raid. Quick raid par ici. Le taf de Lucaran, le taf, les amis. GG à vous, franchement, à tous ceux qui participent à l'effort de guerre par rapport à Archiro. Vraiment, 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 vous assurez. Franchement, beaucoup de taf et vraiment, GG à vous.
Donc là, vous voyez, on voit que dans tout. Bon, voilà, il manque le 26, c'est normal, c'est le reste en chapitre. Voilà. Et, mais sinon, c'est à jour, bien entendu. Et donc voilà, vous voyez tout ce qu'on peut gagner dans les Quick Reds. C'est vraiment très très fort. Donc on va faire une nouvelle commande, les amis, regardez. On va faire une nouvelle commande. Nous allons aller directement. Alors, je vais faire. Hop, le supprime. Nous allons aller directement pour voir le level max des zones. Donc là, ça arrive direct, ça envoie. Je veux dire, ça envoie directement sur un lien sur. Mon Discord, donc là on clique dessus, on est encore dans les archives Archiro, et là on voit le nombre des œufs à avoir pour améliorer un mob ou un boss, etc. Ça en fait 42 en tout, hein. C'est énorme, hein, 42 œufs d'un boss, hein. C'est énorme, j'ai envie de te dire. Donc là vous avez vu que pour avoir un œuf, un mob, une étoile, vous savez, dans la ferme, ben, il vous faut du coup un œuf, voilà. Si t'en veux un 6 étoiles, il te faut 4 œufs, mais plus de 3, plus de 2, plus de 2, plus de 1, etc. D'avant, il vous faut tout ça déjà, pour un niveau 6 en étoile. Vous avez compris, t'as compris. Donc voilà un petit peu, on revient dans le wiki, on va supprimer ça pour que ce soit propre pour vous, pour la vidéo, les amis, voilà. On va aller, tiens, c'est intéressant ça, le skin... rentable, les prix. Quel skin à aller chercher? Quel skin à aller prioriser, les amis? Mais écoutez, c'est simple, hein. Encore une fois, hein, tout se trouve ici, les commandes sont ici, hein. Moi, j'ai déjà fait ça pour la vidéo juste avant. Donc, skin rentable, prix, tu cliques, tu fais entrer et t'as le tableau qui te montre un petit peu quel skin tu pourras aller chercher, etc. Alors, c'est un peu coupé, je suis désolé, hein, parce que c'est par rapport à la vidéo. Mais en gros, ouais, on va aller voir Foren qui se trouve ici. Vous voyez ici Foren, là, où il y a ma souris, là. On voit un petit peu, c'est coupé, mais tu vois, tu arrives à regarder un petit peu le REN, Foren. Donc on voit que son skin, c'est le étudiant de flamme, qu'il te faut combien de coupons? Il te faut 20 coupons, c'est des coupons exquis. Tu vois qu'il te rapporte le skin de l'attaque, tu vois qu'il te rapporte bonus 40 d'attaque, et donc après tu vois la value par rapport au ticket que donne l'attaque, enfin que l'attaque est par ticket, hein, t'as compris, bref, tu vois, bon, c'est ici on s'en fiche, mais en gros tu vois un petit peu, exemple, Ayana ici, tu vois qu'elle a deux skins, un premium et un exquis. Ici, voilà, je vais faire ça, je peux faire ça, voilà, je la surligne, comment est-ce qu'on la surligne, on voit que ça rapporte du coup un premium et un exquis, ça rapporte de l'attaque, tu vois le nombre d'attaques, etc, et voilà, donc c'est vraiment intéressant, ça te facilite grandement la vie, où t'as, parce que t'as toutes tes réponses ici, hein, tout simplement, le skin de Shade, hein, par exemple, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein. Bah hop, c'est une commande que le bot peut faire, hein. Voilà, hop, on fait ça. Et on a directement ma vidéo, les amis. C'est n'importe quoi. C'est trop fou. Non, mais vraiment, je rigole, mais vraiment, c'est très très bon. T'as plein d'infos. Vraiment, t'as beaucoup d'infos. Là, pour finir, les amis, regardez ici. Conseil débutant. Il y a beaucoup de gens qui arrivent sur le Discord et qui nous disent je reprends le jeu depuis maintenant, ça fait un an que j'ai arrêté, je reprends le jeu, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et bien écoute, conseil débutant, le petit bot, hein, un point d'interrogation, help, après t'as les commandes, tu fais point d'interrogation, conseil underscore débutant, tu fais entrer et t'as la base, hein, de ce qu'il faut faire et ne pas faire, tout simplement, c'est fort, vraiment c'est très très fort. Merci à Lucaran d'avoir créé ce bot. Qui en fait regroupe tout ce qu'on voyait déjà dans Archive ici. Mais là maintenant on a la réponse directe au lieu de chercher. Parce qu'il y a beaucoup de gens à qui on disait va voir dans Archive Archiro, il y a un post qui est dessus. Bah du coup là on a tout. Tout ce qui est là c'est directement répertorié. Ah, ça continue, vous avez vu. Donc voilà. Donc franchement c'est très très bien fichu de la part de Lucaran. Donc voilà. Si vous avez la commande pour un point d'interrogation help. Pour avoir ceci, et si vous voulez faire comme moi, hein, mode feignant, copier-coller, vous allez simplement faire le G-sheet qui se trouve ici. Voilà, c'est écrit. Hein. C'est écrit. Si la commande, si la photo n'apparaît pas, t'as cette commande là. Voilà, et puis du coup, bah voilà, ça marche. Tu le fais, hein, c'est important dans le wiki. Hein. Va pas le faire dans le code promo ou Archive Archiro ou Duel, etc. Hein. Restons, on a un truc propre, on le garde propre. On est d'accord? Allez, check. Bon voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Mon Discord, je vous le redis, il est dans la description de la vidéo. Ne me dites pas où est le lien. Ne me dites pas où est le lien, ok? Allez, je vous fais des bisous, je vous laisse là-dessus. Ciao.